1, 2, 3, 4! Bonjour et bienvenue dans la vidéo du cyber. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet qu'on connaît bien, les débutants en informatique. Alors, généralement, ce public a un certain âge. Plus vieux. Encore plus vieux. Un petit peu. Voilà. Comme ces personnes découvrent l'ordi, elles ont souvent un rapport assez contradictoire avec l'outil. Un mélange d'admiration. Et là, on peut effacer le texte. Ah ! De peur. Oh non, j'appuie pas là, et si j'ai un virus ? C'est le bouton de l'image d'ordinateur, faut bien commencer par là. Et de méfiance. Bon, et donc, pour imprimer, vous appuyez là. J'imprime là ? Oui, là. J'imprime vraiment là ? Oui, là. Là ? Là ! Les débutants sont souvent de mauvaise foi. L'ordinateur ne veut pas double-cliquer. Non, c'est pas l'ordinateur qui veut pas, c'est vous. Mais les animateurs peuvent aussi être de très mauvaise foi. Bruno, je peux mettre deux systèmes d'exploitation sur l'ordinateur ? Non, c'est pas possible. Ah bon ? Avec les débutants, les formateurs doivent être capables d'une très grande patience. Mais la plus grande qualité chez un formateur, avec un débutant, c'est de rendre le jargon informatique le plus accessible possible. Donc pour faire un copier-coller, vous faites un CTRL-C de sélection, vous faites CTRL-V à l'endroit où vous voulez le mettre, et si vous avez fait un fail, vous faites CTRL-Z. Simple. Et c'est toujours une grande fierté pour l'animateur de constater que ses élèves ont assimilé les connaissances qui ont leur été prodiguées. Bien, donc nos 8 séances de 2 heures s'achèvent. Nous avons vu l'ordinateur, le traitement de texte, Internet, les emails. Est-ce que vous avez des questions ? Ouais. Ah. Ben moi je n'ai pas compris l'histoire de Croix-Rouge et la fenêtre là, c'est... Quand est-ce qu'il faut s'en servir ? Non j'y vais ! Non ! Arrête, ça n'en vaut pas la peine ! C'est vrai que des fois ça démange.